Bonjour à tous, c'est Black Deer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur F1 2012 pour le Grand Prix d'Inde. Hein, donc un Grand Prix qu'il faudra pas que je loupe hein, après ma mauvaise performance en Corée. Il faut vraiment que je réussisse ici. Un circuit qui m'avait plutôt réussi l'an dernier. On verra si cette année ça marche aussi bien. Et on va commencer donc par ce tour de présentation. Et donc voilà, on commence avec cette ligne droite. Hein. Qui est pas si longue que ça, hein, mais on atteint quand même une bonne vitesse. Hein. On dépasse presque les 300 km/h. On atteint presque 300 km/h. Et là, premier virage à droite. Hein, attention parce qu'on est vite parti dans les vibreurs. Faut faire très attention. On remonte ici. Et là, on a une épingle un petit peu spéciale hein, en montée. Comme ça, on la voit pas trop hein, avant d'être complètement dedans. Et il faut pas la rater. Attention parce que l'adhérence ici, c'est toujours un petit peu problématique. Et on réaccélère. Et là, c'est la plus longue ligne droite du circuit où on va atteindre la vitesse max. Et là on dépasse allègrement les 300 km/h. Hein. On monte jusqu'à 330, plus de 330. Et ici gros freinage avec encore un virage en pente. Hein. Ici on voit la voiture qui saute beaucoup. Hein. Même dans la ligne droite on l'avait vu, la voiture qui sautait beaucoup. La piste qui n'est pas parfaitement plane. Et on réaccélère ici, on finit le secteur 1. Et on commence le secteur 2, le plus dur. Avec ce virage là, cette chicane qui resserre beaucoup. Hein. Faut vraiment être très efficace ici. Une nouvelle chicane où il faut être très rapide. Parce que les adversaires, eux, le sont. Et ensuite, on a un virage assez technique ici. Hein, un long droite, très très long, très enroulé. Et là, faut repiquer à l'intérieur sans perdre trop de temps. Hein. Donc là, évidemment, le tour de présentation, je le fais à un rythme plutôt lent. Hein, pour bien vous montrer le circuit. Là, on a une chicane. On est dans le secteur 3 désormais. Attention à pas déraper ici. Hein, c'est souvent que la voiture part en glisse. Virage ici à droite, on redescend. Et on va raborder la dernière ligne droite à nouveau en passant ici ce dernier virage et on réaccélère. Donc un beau circuit hein, mais quand même assez technique et où les adversaires sont extrêmement rapides, du moins sur F1 2012. Et on va donc commencer cette séance de qualification. Vous voyez qu'il fait beau hein, et donc c'est une bonne chose parce que se qualifier sous la pluie ça aurait vraiment été difficile pour moi, déjà que j'ai du mal sur le sec hein. J'ai tellement de difficultés pour l'instant sur le circuit que je s'en suis au point où je sais même pas si j'arriverai à passer en Q3. Donc on verra. Alors qu'au niveau de la météo du week-end, on a vu du beau temps pour les essais et pour les qualifs. Mais pour la course, on aura de la pluie. Hein. Et donc 73% de probabilité de pluie. Donc on est quasiment sûr que ça va tomber. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle hein, pour un circuit où j'ai du mal. Vous savez que l'IA est très rapide sous la pluie. Et ça va être compliqué. Alors exceptionnellement, comme j'ai du mal. J'ai préparé des réglages hein. J'ai passé vraiment l'heure d'essai à essayer de les peaufiner. Alors c'est pas génial génial hein. J'ai une voiture qui est pas encore au top. Mais c'est déjà mieux que qu'avant hein. Et donc je vais sortir avec les pneus primes pour essayer d'aller faire un chrono. Alors vous voyez ici les pneus primes, ce sont des pneus durs hein, à flanc gris. Donc les plus durs possibles. Mais c'est vrai que c'est un circuit où les pneus se dégradent aussi assez vite hein. Assez exigeant pour les pneumatiques. Alors que Ricciardo signe d'emblée un chrono en 1:33:218 hein, ce qui est déjà un bon chrono qui est presque à la limite de mes possibilités hein. Aux essais je suis jamais descendu autour d'une 33. Mais j'ai jamais non plus poussé la voiture dans ses derniers retranchements hein. On verra bien. Alors que Di Resta pour le moment le meilleur temps en 1:31:143. Et on va voir ce que ça peut donner. Avec ici le premier virage. Attention, ça se passe plutôt bien pour le moment hein. Le tour qui débute pas trop trop mal. Je suis pas trop trop lent. Mais de toute façon le secteur 1 c'est là où j'ai vraiment l'avantage hein, sur les adversaires. Et c'est après que ça se gâte. Ici je suis un petit peu lent dans l'épingle hein. J'avais peur de perdre la voiture hein. Les pneus sont à peine chauds hein. Un seul tour, je vous l'ai déjà dit, c'est à peine suffisant pour pouvoir chauffer ces pneus là. Et donc on va maintenant arrivé, je suis derrière Glock, un hein, Glock qui va me gêner ici. Hein. Voilà, je suis gêné par Glock et du coup je perds du temps, évidemment. Et on va voir d'ailleurs à la fin du secteur 1, ça se voit immédiatement. J'ai 7 dixièmes de retard sur Di Resta. Donc là pour ce tour-ci, c'est mort. Hein. Je vais quand même essayer de le finir pour me chauffer et chauffer la voiture. Avec ici la chicane, vous voyez qui emmène très très loin à l'extérieur hein, quand on veut la passer vite. Et le long virage sur la droite. Et pour le moment, je suis devant Glock quand même, hein, 1,8 seconde d'avance. Mais c'est pas un bon chrono hein, qui se profile pour moi. Et là, je pars en dérapage.
Alors que Diresta améliore avec un temps d'une 30.9. Et là pour moi c'est quand même compliqué hein. Et ça va être un mauvais chrono. Mais je vais me relancer pour un second tour hein. Dommage que j'ai pas gardé un peu de Kers. Ça aurait pu me servir. Ah, pour le moment j'ai le 15ème temps avec un temps d'une 35.113. Alors évidemment je vais améliorer hein. Déjà si je suis pas gêné ça pourrait être un petit peu mieux. Une 39.112 pour Vergne. En forme le français, il est bon en qualif hein, depuis le début de cette saison 2. Un petit peu à l'inverse de la réalité d'ailleurs où il est très souvent battu par Ricardo hein, du moins sur la saison 2012 hein, on verra ce qu'il en est pour cette saison 2013. Et donc voilà, on va terminer ce secteur 1 avec ce dernier virage hein. Je suis un petit peu lent encore hein, mais bon j'ai du mal à prendre mes marques hein, sur le circuit hein. Mais c'est malgré tout le meilleur temps dans le secteur 1 avec 6 dixièmes d'avance sur Massa. Maintenant faut gérer le secteur 2 et ça pourrait le faire. Voilà, là je suis sorti un peu large, j'ai coupé un peu dans l'herbe. Là ça se passe bien, ça se passe un peu moins vite aussi que tout à l'heure. Alors qu'on va essayer de garder une bonne trajectoire et une bonne vitesse dans cet enchaînement. J'ai dû freiner un petit peu, donc là c'est du temps de perdu. Mais je suis 1 seconde 4 devant Massa. Ce qui est plutôt bon, attention à pas déraper ici comme tout à l'heure. Là la voiture est partie un petit peu encore hein, mais j'ai réussi à la rattraper. Et on va redescendre vers la ligne maintenant. 1.34.372. Alors que c'est battu, c'est Kovalainen maintenant qui est 17ème avec un temps de, en dessous de la barre des 1.34. Je file vers la ligne et ça sera un temps en 1.32.918. C'est la 11ème place pour le moment hein. C'est quand même pas exceptionnel, mais c'est déjà un petit peu mieux. Et je vais rentrer. Je vais passer les pneus options au cas où. Mais ça serait bien que ça puisse tenir cette 12ème place hein. Parce que là il faut vraiment que je me qualifie correctement hein. En plus si on part sous la pluie il faut que je sois à l'avant, parce que je serais sûrement assez lent en course. Alors l'avantage s'il y avait de la pluie c'est qu'on n'aurait pas de DRS. Et ce qui éviterait qu'on me dépasse dans la très longue ligne droite hein, parce que cette ligne droite là avec le DRS je vais me faire croquer. Ça c'est sûr et certain. Donc si on est sous la pluie au moins ça évitera ces conséquences là. Mais ça risque d'être tendu dans le secteur 2 hein, surtout qu'en plus j'ai des réglages pour le sec et que je pourrais pas les changer. Donc on verra. On verra. On est désormais à 6 minutes de la fin de cette séance hein. Je suis en train de chuter dans le classement 15ème, 17ème. Et alors là je vais prendre un gros risque hein. Je pense que je vais pas ressortir. Je vais pas ressortir et je vais espérer que ça tienne jusqu'à la 17ème place. Si Ricardo qui est derrière moi il pourrait ne pas améliorer. Et ça va le faire comme vous le voyez. Je parviens à passer en Q2 mais in extremis hein, puisque Ricardo est vraiment juste derrière moi hein. Même pas 6 centièmes derrière. Alors que dans les éliminés on retrouve donc Ricciardo, Kovalainen, Petrov, De La Rosa, Kartikeyan, Pic et Glock hein, les Marussia qui sont derrière les HRT. Ce qui est plutôt étonnant. Peut-être un petit problème de réglage chez l'écurie de Charles Pic. Et donc en attendant on va passer à la Q2 où il va falloir que j'améliore. Donc là évidemment on va partir immédiatement avec les pneus options hein. J'espère que j'arriverai à être dans le top 10. Donc les pneus options qui sont les pneus tendres hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas les médiums, mais directement les tendres, donc les pneus jaunes. Ce qui explique aussi pourquoi ils se dégradent extrêmement vite. Et donc on va partir derrière... déjà, il y a déjà un pilote qui est sorti, hein, je ne sais pas qui c'est. Et donc on va entamer... ce tour, premier tour de qualification, et là je pars presque en glisse hein, avant de me lancer. Mais c'est parti. Et on va essayer d'aller claquer un bon chrono assez rapidement. Donc là je suis un petit peu, j'arrive un peu vite hein, dans ce premier virage. Et du coup je suis sorti sur le vibreur à l'extérieur. Alors que je vais pouvoir réaccélérer ici. Il y a beaucoup de monde dans la ligne droite hein. J'espère que je vais pouvoir dépasser les pilotes qui sont dans leur tour d'installation. Voilà, c'est fait. Alors il n'y a pas de chrono de référence hein. Alors que j'atteins le limiteur à 335 km/h. Alors évidemment la voiture est surtout réglée pour la course également hein. Avec
avec donc un limiteur qui est un petit peu plus bas que ce qu'il faudrait pour les qualifs. Hein. 41-315, c'est un très bon chrono pour le secteur 1. Donc là je coupe un petit peu les virages hein, et j'essaye vraiment d'être très 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 rapide. Il n'y a pas moyen de faire autrement, faut que je prenne beaucoup de risques. Hein. Et là ça se passe plutôt bien ici. Et je suis beaucoup mieux que tout à l'heure. 1 minute 6 et 815 millièmes. Donc c'est plutôt bon, attention à pas déraper ici, ça passe bien. On a entendu quand même les pneus couiner. Alors ça c'est un petit peu ma crainte pour le Grand Prix, j'ai peur que mon setup soit un petit peu gourmand en pneumatique. Hein. Donc j'espère que ça ira quand même pour la course. Et donc voilà le dernier virage. Et je vais foncer vers la ligne, c'est Grosjean qui a mis le premier temps en 1.32, 1.30.3. Et je passe devant avec un temps d'1.30.1. Donc grosse amélioration là. Grosse différence entre les pneus prime et les pneus options. Et je vais quand même tenter d'améliorer. Hein. On n'est jamais trop prudent. Et comme on est sous la pluie pour les qualifs, hein, je peux taper dans les pneus. Sous la pluie pour la course, pardon. Je peux taper dans les pneus sans trop de crainte. À condition évidemment que le départ se fasse sous la pluie. Hein, mais vu la probabilité, il y a quand même de fortes chances. Alors que voilà, j'arrive à nouveau à la fin du secteur 1. Et je vais passer Grosjean. Et je suis pour l'instant 2 dixièmes plus lent. Mais je peux améliorer le secteur 2 sans doute. Hein. On va voir ça. Pour l'instant, je coupe moins les virages. Et je suis mieux dans la trajectoire. Hein. Alors qu'Hamilton m'a battu, ça y est. Nouveau meilleur temps pour le pilote McLaren. Avec un temps d'1.29.7. Et j'ai 4 dixièmes de retard sur lui. Au deuxième pointage hein, donc 4 dixièmes également de moins bien que mon tour précédent, ce qui fait que je vais m'arrêter là, je vais rentrer au stand je pense hein, directement, c'est pas la peine que j'aille boucler mon tour. Et donc voilà, on va rentrer au stand et on va attendre tranquillement la fin de cette Q2. Logiquement je devrais réussir à passer en Q3. Je pensais pas réussir à faire un chrono aussi vite. Ah, c'est tant mieux hein, si ça me permet d'aller en Q3. Mais en Q3 il faudra que je me batte pour essayer d'avoir un temps le meilleur possible. On verra bien. Et c'est vrai que sur ce circuit j'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner. Parce que c'est vrai que j'avais vraiment de gros problèmes hein. D'ailleurs pour être totalement franc, j'ai dû faire 2 séances d'essai parce que en une seule heure j'ai pas réussi à être assez rapide hein. Et donc j'avais fait une première heure sans toucher au setup. Et en voyant que j'arrivais pas à faire des bons chronos après la première séance, bah j'ai relancé complètement le week-end pour faire une deuxième séance d'essai hein, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et pour aménager mon setup hein. C'est vrai que c'est dommage qu'on ait plus les 3 séances d'essai, parce que là j'en aurais vraiment eu besoin. Et donc la séance qui s'achève, j'ai le 6ème temps au final hein. Et donc c'est plutôt une bonne performance. Michael Schumacher est également passé. Et dans les éliminés, on retrouve Massa 11e, Hülkenberg 12e, Senna 13e, Perez 14e, Di Resta 15e, Jean-Éric Vergne seulement 16e. Et là, Alonso est seulement 17e. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le championnat. Hein. Si le pilote Ferrari n'arrive pas à remonter pendant la course, ça me permettra de remonter et de marquer des points. Alors que lui n'en marquera pas. Mais attention, parce que sous la pluie, il est très efficace, le pilote de la Ferrari. Donc il faudra se méfier. Et je vais sortir dès le début de cette séance pour essayer d'aller claquer un bon temps pendant que la piste est dégagée, et pour avoir toute la séance devant moi. Alors que là il y a pas mal de voitures qui sortent hein, du coup je dois attendre un petit peu. Et c'est parti. En tout cas je suis content, mes problèmes d'enregistrement semblent être résolus hein, j'espère que je parle pas un peu vite. Mais normalement il y a moins de problèmes hein, ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas repéré. Et donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, je vais me lancer, je prends le virage un petit peu à l'extérieur pour être bien, pour pouvoir accélérer assez tôt. Et c'est parti pour ce premier tour chronométré de cette troisième séance de qualification. Donc là je vais bien chercher l'intérieur, je vais sortir juste sur le vibreur mais comme il faut. Et là on arrive dans l'épingle. Et là ça passe très très bien. Pour l'instant je fais vraiment un bon début de tour. Et ça c'est plutôt une bonne chose.
On va voir ce que ça donne au premier pointage. Hein. 41-315, c'était mon temps tout à l'heure. En Q2. Dans le secteur 1. Et là, je loupe un petit peu mon freinage. Hein. Vous l'avez vu, j'ai bloqué un peu les roues. Et je suis sorti un poil large. Et 41-461, c'est un bon chrono quand même. Hein. Mais c'est un petit peu moins bien que tout à l'heure. Donc j'ai encore une marge de progression. Là, je sors un petit peu large dans l'herbe. Je suis à cette chicane. Ça se passe bien. J'ai dû rétrograder un petit peu. Le long virage à droite, je commence à le maîtriser un petit peu plus, même si là c'est moins bien que tout à l'heure, hein, clairement. 1 minute 6.9. Là ça se passe bien cette fois, on entend encore les pneus qui grincent un petit peu. Et on va arriver dans ce dernier virage, hein. J'essaie d'être agressif dans le secteur 3. 1.29.7, hein, pour le moment le meilleur temps de Button. Et je vais aller couper la ligne avec un temps d'une 30.1, c'est le dernier temps pour le moment, hein. Le plus mauvais temps. Et évidemment je suis reparti pour un deuxième chrono, essayer d'améliorer, hein. Je sais que je le peux. Et là le premier virage ça se passe impeccable. 1.29.6, nouveau meilleur temps de Weber. Maldonado qui est pour le moment derrière moi. Et je suis à la 9ème place, hein, si les choses restent comme ça. Et j'aimerais bien remonter un petit peu quand même. Alors Hamilton s'empare de la pole position. Et donc je vais tenter d'aller le déloger. Cette fois ce virage là ça s'est mieux passé. J'ai sauté un petit peu, mais au moins j'ai pas bloqué les roues. Et le temps c'est un petit peu moins bien dans le secteur 1 malgré tout, hein. Mais je reste 2 dixièmes devant Hamilton. Donc il va falloir que je fasse un secteur 2 impeccable si je veux aller améliorer mon temps. Donc là ça se passe pas trop mal, attention, hein, dans cet enroulé, c'est là que j'ai perdu un petit peu de temps tout à l'heure aussi, hein. Et là ça va beaucoup mieux, j'arrive à bien me placer sur la trajectoire. Et c'est pour le moment le premier temps tout simplement à la fin de ce secteur 2. Un dixième devant Hamilton, mais attention parce que le secteur 3 m'est défavorable lui aussi. Donc dernier virage, attention. Je suis un petit peu lent ici, hein, je perds du temps. Je réaccélère, je fonce vers la ligne. Et c'est un temps d'une 29.858, ce qui me place en 5ème position. Donc c'est une bonne performance, hein, je suis content de mes qualifications. Même si, vu mon temps partiel à la fin du secteur 2, j'aurais bien aimé aller chercher évidemment la pole position. Mais ça n'a pas été possible, hein. J'échoue quand même pas très très loin, je suis à peine à 2 dixièmes. Et donc je partirai pour la course en 5ème position sans doute. Il reste 3 minutes mais ça m'étonnerait que beaucoup de pilotes améliorent. Donc voilà, c'est plutôt une bonne séance pour moi. Même si ça a été dans la douleur, hein, le début de ce week-end de Grand Prix. Bah finalement ça paye, hein, les efforts aux essais. Et j'espère que ça me permettra d'avoir une bonne performance en course. Donc en attendant la fin de la séance, je vous rappelle donc la page Facebook qui est maintenant ouverte, hein. On n'est toujours pas extrêmement nombreux dessus, hein, et donc je vous attends, n'hésitez pas à la rejoindre. Et donc voilà la séance qui s'achève. Et donc la première ligne verrouillée par les McLaren, hein, qui prennent toutes les deux la première et la deuxième place, hein, Hamilton devant Button, hein, donc ça c'est bon pour eux au niveau du championnat, notamment Hamilton, et on retrouve un petit peu Button aux avant-postes. Ils devancent Mark Webber et Sébastien Vettel, hein, qui est donc la deuxième ligne 100% Red Bull, et je suis donc pour ma part 5ème à seulement 240 millièmes. Et à mes côtés j'aurai Kobayashi, hein, et on sait qu'il est très offensif Kobayashi, donc ça pourrait être intéressant. Mon coéquipier Michael Schumacher est 7ème, pardon, c'est plutôt bon. On retrouve Grosjean 8ème, Raikkonen a pris la 9ème place et Maldonado a pris la 10ème place de la grille. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour le prochain Grand Prix.